So I think the Giants is not on my level. They suck. And I think I'm too good. And nobody can challenge me. Listen to me, AD. You're not on my level. I'm still the champion. And you have to challenge me. I'm waiting for you. Come. Come. I'm ready for the fight. Fuck Obama G. Fuck Obama G. Yo les gens, bien ou bien. Aujourd'hui jeudi 18 et on va faire quoi? Shooting photo pour Kia. Mais tu parles? C'est pareil. C'est pareil frère. C'est pareil de quoi? J'habite à 5 minutes de chemin. C'est sur le chemin connasse. C'est ouais, nous deux combinés, on est plus riches que deux combinés là. Non mais c'est l'argent. C'est les mecs. Regarde comme ils font les mecs. Il a surtout comblé son découvert. Non, mon père il me doit des sous parce que je lui ai payé un truc avec ma carte parce qu'il a pas de carte. Du coup, c'est moi, je l'ai fait. Mais là, je veux le dire, c'est bon, c'est pour moi. Parce que mais c'est ton père ou c'est pas ton père? Arrêtez, mais oui, c'est mon père. Ton vrai père, t'es sûr, c'est ton vrai père? C'est mon vrai père. T'es sûr? C'est mon père. Pourquoi tu l'appelles pas papa? Mais je l'appelle papa. Non. Mais j'ai plusieurs pères aussi, j'ai Belé Mosqueda. Ah, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Qui ça aime? Apprends le 9, c'est Robert de Adgular. En plus, j'étais le 9 à Zena Joki. Aïe, 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 aïe. Allez, go. Ah, je me suis entraîné ce matin, je suis KO là-bas. Ah, vous voulez retourner en cours? Je suis obligé de montrer la montre Decathlon parce que Decathlon c'est mon sponsor. Mon sponsor numéro 2 Adidas. Bon, j'ai pas les gants parce qu'ils m'ont pas fourni, du coup je vais mettre un peu de scotch. Tout et n'importe quoi, tu sais. Sauf le plus important, les gants, c'est con. Le plus important, les gants? Le plus important, c'est les gants. Tu calais là-bas? Trois trucs au foot avec quels, les gants. Tu calais là? Ah, tu calais là? Tu es posé sur ma nouvelle voiture? La voiture, si tu restes sur le bord là, ça va, non? Aussi je vais faire une pause comme ça, comme ça. Je pense que je suis plus photogénique sans casque. Passe les vitesses. C'est auto. Attends, on est à Marseille, il faut que je fasse le mec énervé un peu. Avance ça. La con de démon. Il sait le plus, toi. Demain. Y'a vraiment pas les clés? Start and stop, vas-y, appuie. Faut que tu appuies d'abord sur la frein. Il sait même pas où il est le frein, frère. Je sais pas. Prêt pour la conduite. J'ai démarré. Là, faut que tu appuies sur le truc, reste sur le frein et tu. Ouais, mais tu vas taper, frère. Je mets sur le R là avec la boîte de vitesse. Oula là, t'as confiance en lui, toi? T'as le permis au moins? Non, il a pas le permis. T'as confiance en lui, toi? T'as confiance en lui? Non, moi j'ai confiance en vous, les gars. Ça va, y'avait rien derrière. Faites donc ça. Je vous replace après au fur et à mesure. Laissez les trucs là si vous avez besoin. Tu filmes quoi dans ce sens? Bah, je filme 360. Donc, quoi 360? Ça filme les deux caméras de chaque côté? Attends, je regarde. Ouais, il y a deux filles qui se mettent. Mettez-vous toutes les deux là. Ouais. Bon.
Grosse bête celle-là. Nouveau concept, c'est quoi un nouveau concept? Pétage de rétro dans une concession. Ouais. Aujourd'hui, je vais tant que tout le monde me faisait un. Et non, genre, tu te donnes la vidéo, t'écris, il a pété le rétro d'une voiture dans la concessionnaire. Combien un rétro de tir? Pourquoi? Parce qu'Adri va passer si on fait ça. Il va percer si on fait ça. On casse un rétro. On va voir si c'est rentable ou pas. De quoi tu parles? En fait, on pète un rétro et après sur YouTube, on écrit en titre, il a pété le rétro de la voiture la plus chère de chez Kia. Et sur Adri TV. S'il te plaît, Bav. Allez, pas, on te rembourse. I'm the Kia champion. C'est une référence. Tu l'as trouvé ou tu l'as pas trouvé? Mais c'est mon fils, c'est assez. Tu l'as trouvé? Frère Adam, tu passes des. Trouvé, wesh. Je réveille, papa, frère. Sérieux? Pourquoi il est pas là, déjà? Bah, parce qu'il doit avoir une bonne excuse encore. Non, il a dit qu'il était fatigué, je crois. Ah, oui, c'est vrai, non, il a dit ton échauffement. Ah, oui, il a une pointe de mal au mollet. Ton échauffement que t'as fait hier, c'était pas ouf. Adam, non, je suis désolé, mais tu es fragile. Hein. Ah, après, tu dis que t'es fragile, tu me dis qu'on est fragile, mais. Les gens, on est revenus sur le terrain pour s'entraîner après cette belle matinée chez Kia. Ouais. On a essayé une nouvelle voiture. Ouais, c'était très bien. On a pris 10 000 euros. 10 000 euros. Au calme. Non, ça va. On a pris 10 000 euros et une voiture. Ça va. J'ai mal aux jambes, sa mère. Le truc le plus nul que j'ai jamais vu de ma vie, frère. Tu lances le javelot. Venons le regarder. Ah, la lumière. Oh, tu as vu comme ça? Le mal à l'aise. Tu sais pas quoi faire. Et là, allez vite, allez vite. Oh, il fait froid, les gars. Tu tournes et tu regardes, tu fais vraiment. Un jour, tu es dans le métro, je tombe sur mon pote à toi. Je suis fatigué. Oh, tu boostas. Parce que genre, j'avais le truc, le bracelet, il a vu, genre, par-dessus la manche. Oh, tu joues ça? Je dis oui, pourquoi? Mais je connais déjà un boulot. Un grand, de ta vie de ma mère, gros. Un grand, genre, rasé, un arabe grand, rasé, je sais pas, il était un peu fatigué. Tu vois, je connais déjà un boulot, je connais, ouais, c'est mon patron, je ressens, mais je dis ouais. Tu vois, je connais déjà un boulot, je sais, ça s'arrêtait pas de dire déjà un boulot. Et... Ah, c'est moi le premier. Raconte pas. Tu triches. Tu ris. Vas-y. Encore vide le écran. On va un peu vite. Allez. Ah, et tu fais ta réflexion, Strike. Yo les gens, bien ou bien? Oui, 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 j'ai mis une casquette de champion, oui, j'ai mis une casquette de champion. Ragez pas, ragez pas. Du coup, mercredi 24? Je dis mercredi 24 pourquoi? Parce que, avec l'équipe de France, le 24 et le 31 mars, on doit faire un test PCR pour rentrer à l'INSEP, pour voir si on n'a pas le Covid, bien sûr. Donc du coup, aujourd'hui, test PCR. 31, retest PCR. Et après, le 3 avril,
Quand on arrive là-bas, on a un autre test, je crois. Je sais pas ce que c'est. À faire encore pour être sûr qu'on n'a pas le Covid. Bon, la première fois que je vais me faire titiller la narine. Aïe aïe aïe. Je voulais éviter ça, mais. On peut pas, hein. Disons qu'on peut pas. Et il te rejoint quelque part, ok? Dans le secteur. Et tu le remercieras, un truc de fou, hein. T'es des salopards. Ah, tu sais ce que tu dois faire, hein. Roulette, c'est ce que tu dois faire, hein. Tu sais ce que tu dois faire, je sais pas pourquoi. Parfait, merci. Ok, allez, ciao ciao. On va plein. J'ai dit, ça se voit, c'est là bon, lui. Par contre, viole-lui son nez. Je fais lui mal, hein, je lui sens et tout. Il reste à la maison. Mais qu'est-ce qu'il. Oh, et un peu, il est. Non, mais il est obsédé par nouveau, hein. Oh, je sais pas ce qu'il a. On va la mettre au cul. Ah, il est pas ça. Il parle en français. Ah, mais je parle pas avec toi, je parle français. Je sais jamais. Arrête de parler français, là, con de ta race. Dans la vidéo, il a dit. Parle anglais. Je vais le faire en français. Je vais faire en français, hein. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Tu as Michel aussi ou pas? J'ai 29 ans. Je suis rendu dans un Mercedes-Benz. Je suis rendu être propriétaire de. Bah, il m'envoie une photo là. Voilà, c'était magnifique. Il a acheté quoi comme voiture? Une C63 NG. C43 NG. C43. Et il va rouler dans quoi? 70 000 piastres. 70 000 la piastre qu'il m'a envoyé. Keep dreaming. Keep dreaming. Ah, mais quel bof, toi! En plus, il a pris rouge, rouge femme, rouge en Bordeaux, plus, regarde. Le mec, il a une merco, et regarde comment il est habillé! Il a 80 000 euros, il est habillé! Et le mec, il a des trous dans ses pantalons! Payday! Payday! Il va faire ça, lui aussi? Après, ça bloque! Non, mais t'inquiète, ça va aller! Comment ça, après, ça bloque? Il est déjà essayé, il pique ton cerveau, et après, il arrive! Il pique ton cerveau! Pourquoi c'est mon premier? C'est ça, non, grand mec, tu l'as jamais fait encore? Non, jamais fait. Tu l'as pas fait le tarot? Jamais. Faut que tu poses. Faut que tu poses, hein, quand tu le mets dedans. Fais quand même le mec, tu pleures pas trop. Hein. Oh non, chier. J'ai fait 4 fois, ça fait mal, hein. Quoi? Non, je l'ai fait 3 fois. Ah, ça va, je lève la semaine. Je l'ai fait 3 fois et je trouve pas que je l'ai fait. Ça fait pas mal. 4, 3, 2, 1. Non, en vrai, moi, la sœur de Mathias, ça m'a pas fait trop mal. Par contre, celle qui me l'a fait à. Le truc de Raoult, là. Yana, j'ai rien dit. Yana, c'était pas d'or. Yana, c'était ouf. Yana, font des virages. La meuf qui me l'a fait avec toi, là. Mais moi, là, j'ai rien dit. Elle m'a enculé. Ça fait mal quand même, un peu. Lui, pleurait, là. Les agréables. Moi, Raoult, je suis allé repartir en vente, elle a fait ça. C'est horrible. C'est vrai, tu vas dire, change de place. À chaque fois que je le fais, et en plus il a fait ça. Là t'as payé donc la préparation physique jeudi, et il a fait ça samedi. C'est ça que je fais quoi? Arrête, frère. Et franchement, je comprends mieux que toi, mec. Ça fait mal. C'est pas ça fait mal, c'est dérangeant, c'est horrible. Les gars, du coup, ce test. Ça va, hein. Lui par contre il va pleurer. C'est horrible, je te prends le mec là. T'es en train d'enregistrer là? Ça va, ça fait mal. Non, c'est pas ça fait mal, c'est dérangeant. C'est la sensation, mais ça fait mal. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse très mal à Roulette. Mais très très mal. Mais tu sais que moi, quand je l'avais fait, il m'a fait les deux narines. Ah ouais? Moi je te dis, la première fois c'était déjà là, c'est horrible, alors les deux. Allez, respire. Il dort vraiment dehors. Lui, c'est le mec le plus lunatique que j'ai connu. Ah ouais? De bras Vendor, Joe BG. Dans la même phrase, il peut dire Joe BG. Du moment que tu fais un cadeau, c'est l'histoire. Bah, j'ai. Quelqu'un m'a expliqué l'histoire. Ah, mais c'est quoi là? Quand il m'a ramené chez moi, il a lancé une rumeur. Raconte. Non, je peux pas. Éteins la caméra. Ça va, raconte. La caméra. Ça va, il va cuter, je crois qu'il est con ou pas. Non, éteins la caméra, non, il va pas cuter. Il va venir chanter. Et sinon, il passe pas sur YouTube. Il passe pas sur YouTube, je suis d'accord. Mais je le connais, regarde. Bah, vas-y, hein. Coupe la caméra. Raconte. Moi, il y a une personne qui m'a dit. Qui m'a dit que. C'est quoi bien gradé? Ça marche toujours là. Bien élevé. Ah, ça marche toujours, bâtard. J'ai déjà eu haut gradé dans le club, genre vraiment important. Vas-y, éteins la caméra. Et je dirais pas son nom si t'as pas coupé la caméra. Attends, ah oui, ça se fait, il a vu quoi? Non, non, mais c'est pas comme ça. C'est pas ça, c'est pas ça. En fait.
Ah, faut le lever aussi. Après un bon petit test PCR avec les nids. Une partie de Tiger Ball. Une petite partie Tiger Ball pour comment dire, pour s'échauffer. Et après on va travailler le test. L'analyse que je peux faire, c'est que bon, déjà ils sont habillés presque pareil, ils ont la même coupe de cheveux. Ouais. Bon, il y en a un qui est blanc, l'autre qui est maghrébin. Ouais. Mais là où on peut faire une analyse concrète, on peut faire une analyse concrète, c'est qu'en fait, si tu regardes bien, un c'est Joe Dalton et l'autre c'est Avril. et là on est correct. Comme dans l'univers de Lucky Luke, du coup, moi je suis toi, tu es Lucky Luke et moi je suis Jolly Jumper. Yo les gens, bien ou bien? Tranquille ou quoi? On est mercredi 31 mars. Aujourd'hui on doit faire le deuxième test PCR. Ça y est. Ça sera sûrement la dernière vidéo avant samedi, donc le test. Donc les prochaines vidéos après celui-là, ça sera les tests DF. Et j'espère que je pourrai bien filmer l'intérieur, tout ça, comme ça vous pourrez voir comment ça se passe. Bonjour monsieur Abdoula. Comment allez-vous monsieur? Comment allez-vous monsieur Abdoula? Et vous-même monsieur Linda? On va bien hein? Comment allez-vous monsieur Linda? Vous êtes prêt à partir? Vous êtes prêt à prendre du airplane? Du airplane Vous partez mardi? Non, on part mardi. Ouais. Parce qu'il part mardi à ce qu'il va. C'est beau ça. Et je pensais que tu partais au machin moi. Et non, mais par contre je leur ai envoyé ta vidéo. Tu es prêt pour la deuxième fois, Eddy? Tu es prêt pour la deuxième fois, Eddy? I'm the Super Saiyan! Ah! Après, il n'y avait que lui qui était serein. Ouais, ben bah, il a l'habitude. J'étais serein dans ma tête. Tu savais quand. J'ai eu mal pendant 3 jours. Tu savais quand tu fais les prises de sang ou les vaccins? Ouais. Et que tu regardes pas? Ouais, j'aime pas. Ben voilà. Ben genre, tu fais semblant de pas. Tu es là, tu es comme ça. Tu es inexpressif, mais c'est pour pas montrer ton. Ah, mais. Aïe! Non, moi je douille. Hein. Ma tête, elle douille. La pire pique que j'ai fait, c'est le PRP. Le PRP, c'est la pire pique. Moi, c'est tout ce qui est. Il m'a injecté ça de plaquettes dans le genou. J'étais comme ça. L'aiguille me l'a montré comme ça. J'ai ça monte dans mon genou. Ouais. Je bouge pas par contre. Ça. Bouge pas. J'étais comme ça. Ah, ça c'est bien. Et puis, hein. Dis-moi si machin, parce que tout à l'heure il y avait un gros bébé de 130 kg, un rugbyman. Je lui ai fait et il est tombé dans les pommes. Mais là, t'inquiète, vas-y. Après, la pire piqûre que j'ai eu de ma vie, c'est pour la péridurale. Non, mais ça c'est la pire. Et plus jamais de la péridurale de ma vie. Plus jamais de la vie. C'est pour tirer en scène, ça. Hein? Quand tu accouches. Non, c'était pour l'opération du genou. Ah, ils t'ont fait une péridurale pour le genou? Ouais, c'est comme moi quand j'ai fait mon infiltration au dos, frère. Ouais. Ah, comme ça sur la table. Mais dis ça monsieur, parce que vous êtes tout blanc. Fais quoi? Je te dis, j'ai failli tomber dans les pommes. Ouais, ben on est en hiver, oh, oui. Ouais, peut-être. Non mais j'étais accroché à la table comme ça. Et je voyais le truc, l'écran, l'aiguille qui descend comme ça. C'est comme ça. Et tu sais le mec il me regarde, il fait ça va monsieur et tout, ouais, ça va et tout. Je comme ça, ça va, j'attends et tout. Il fait ça va. Vous avez pas fait un malaise? Les gars devant les toiles. Pourquoi alors ils t'ont pas fait? J'ai une infiltration dans le dos. Mais gros, non, ils sont rentrés jusque dans. Ah, j'ai rien du tout. Pourquoi? Frère, allô, t'as du coup, pendant qu'ils me le font, genre je suis pas bien, tu vois. Ouais. Et quand ils me disent ça, genre. Il faut que je prenne ton numéro. Il me dit, ouais, tu vas pas faire un malaise? Je fais, pour moi, ça va, tu vois, je sentais pas. Il me dit, parce que là vous êtes blanc et tout, vous transpirez et je sentais rien. Et du coup, je fais ça, je regarde mes mains, je vois, je suis tout moi, je fais ça, je transpire. Oh, c'est normal, oui. Tu veux lève ta colle, hein? Lève ta colle. 3, 2, 1.
Oh, Adrien. C'est ta parole, il nous a pas prévenu, ça commençait. Tu l'auras? Ouais, je sais pas où je vais dire. Là, tu vois, j'ai pas pleuré. Ouais, j'ai pas la langue, mais. Tu vois les mots, là. Waouh. Les nids, ils te font fort. Ah, c'est jamais comme ça. Moi, je me sens déjà, les trois fois que je l'ai fait, le meilleur, c'est avec lui. C'est vraiment pas agréable. Parce qu'en plus, les deux fois, c'était avec les deux narines. Ouais. Il reste longtemps, le mec. Non, non, ça va. Non, si je laisse pas assez longtemps, ça me rend invalide. Il dit, il n'y a pas assez de temps. Ouais, ouais, ouais. T'es aux États-Unis, ils font ça. T'as dit, c'est vraiment une machine. Juste tu passes. De l'alarme. En gros, je vais dans la bonne zone, mais après, pour qu'il y ait assez de l'air dessus, tu vois. Oh, j'ai l'alarme. Mais est-ce que tu tournes ou juste tu mets froid comme ça? Ouais, je frotte un petit peu, mais vite fait. Ça va? Non, ça va. Et là, tu fais ça toute la journée, je crois? Ouais. Okay. Ouais? Toute la journée, je fais ça? Ouais, parce que c'est ce que je fais en plus de mes heures de travail. Ah, c'est à moi, là. C'est au test. Ok, ouais, tu fais quoi sinon? Là, je suis infirmier, je suis au labo, je fais les prises de sang. C'est en vrai, il est maçon, ouais, tu le fais. Non, mais là. Test H. Non, allez, go. Non, ouais, ça va. Ouais. Ferme des narines aussi. 5, 4, 3, 2, 1. Impeccable. T'as l'exagération, lui, tout le temps. Non, mais ça va. La deuxième fois, après, la douleur, elle est moins que la première. Mais... Ouais, ça va. Bon, voilà, on se teste une dernière fois. Ouais. Avant le test final. Avant le test final samedi pour l'équipe de France. Pour votre culture personnelle, les gars, allez, bleu. Tous ceux qui regardent la chaîne YouTube de Monsieur Adrien Linda, on peut dire les tests finaux ou les tests finales. Les deux se disent. Avec un S? Avec un S, bien évidemment. Sûr. Les deux se disent, attention, alors l'emploi de final avec un S est plus courant, mais on peut dire finaux également. Ouais. Mais on ne peut pas dire canavo, attention. N'oubliez pas ça. Oh, on est là, qui fait la déviation? Oh, il rate les cages, oh maman. Eddy va se préparer pour courir parce que voilà. 25 secondes, Eddy, bien joué! Bien joué, Mino! Encore du Mano! Bien joué, Mino! Encore de la CFL! Bien joué, Mino! Ready for you! The camera is closed, so run straight, please. Je m'appelle pas Thomas, t'inquiète. Ok, thank you, thank you. Be careful! Fond de caméra, toi, Adrien Linda! You know? Cause that's really expensive. Like your payment in. C'est prêt, Adrien? I'm ready for you, bitch. We are ready. But you can speed, please. Yes, thank you. Move your big ass, thank you. Allez, 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 Mino. Hein? J'ai pas pu appuyer. En vrai, le plus intéressant pour nous, c'est venir de. Ouais, nous, ouais. Ah, rien. Linda! 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 Ah, c'est mixte? Linda! Ah, c'est mixte le combine? Je lui raconte d'après la blague, elle est rigolote. Non, laisse-le, il verra dans le vlog. Non. Ah, il est parti. Il est parti, le. Vas-y, petit lapin. Cheval de course. Oh, faut courir. Faut courir. Oh, faut courir. Faut courir. Je me suis dit, oh, si on le fait bien et tout, ils vont s'entraîner bien. Je me suis dit, putain, Jaradri, tu vois, il va taper un bon truc. Je peux pas. Moi, je vais être en dessous des 50. Je peux pas. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que après le... I am ready. Yes, sir. Après le command CFL, qui m'ont mis la carotte, le premier. Ouais. Avec personne, mais genre, je me suis dit, cette fois-ci c'est fini pour moi. Genre, plus jamais je ferai un combat de ma vie. Mm-hmm. Parce que je ne jouerai plus pas. Je partirai. Je ne jouerai pas pro. Je me suis dit, ça sert à rien. Et qui reste Thomas, c'est qui peut aider au club. Thomas. Il y a quand même le 19 qui sont volontaires. Tu peux écouter, c'est une question de respect. T'es une pute. Non, attends, je viens de négocier là. Contrat, t'es une pute. Bam. Bam. Les gens, c'est fini, journée finie, je vous fais de gros bisous, on se voit au combine avec des temps dégueulasses. Ah, tu vas avoir donc et soyez fiers quand même. Ils de vont nous. Pas vouloir t'amener ta caméra. Même si on est nul parce qu'on a eu qu'un mois de préparation, alors que normalement. On va en avoir quatre. Si on avait eu nos deux ans de préparation et si j'avais été testé quand j'étais allé en 2019 ou à l'époque, j'étais très très chaud.
j'aurais pas eu les temps que je vais faire là. Donc, bisous bisous.